Ben non, tu niques mon intro là. Je ne sais pas si vous le savez, mais il fait chaud. Voilà. Aujourd'hui, vidéo incroyable. Nous parlons d'une souris. Il s'agit de la Fnatic Clutch 2, une souris de chez Fnatic, bien entendu, qui complète le setup Fnatic que je me suis fait. Clavier, souris, casque et tapis de souris. Nous sommes donc à l'avant-dernier produit. Avec ceci, j'ai présenté un petit produit optionnel tant qu'à faire. Mais euh, voilà, c'est euh, bah, juste là. C'est euh, le Fnatic Lift qui est tout simplement un petit support pour câble de souris. Voilà, je, tant qu'à faire. Et ensuite, il nous restera le tapis de souris. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo récapitulative de, bah, du setup Fnatic et savoir ce que j'en pense. Hop. Allez comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte surtout que bah, on a une très jolie boîte ici vous le verrez Je passerai rapidement sur l'unboxing parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire et c'est très rapide Et on passera ensuite sur la souris ainsi que les possibilités de personnalisation sur le logiciel Le Fnatic je sais plus quoi Fnatic Hop ou OP bah, Comme vous voulez quoi Hop euh, c'est parti <laughs> Nous voici donc sur la boîte Voici un peu le design Design que j'adore franchement je trouve qu'ils ont fait une très belle boîte avec un joueur euh, Fnatic ici, de la team Fnatic, la souris qui est ici. Quelques infos ici, pareil derrière. Voilà, je vous laisserai faire pause si jamais vous voulez voir ces informations. Le petit logo Fnatic ici. Pour l'ouvrir, c'est très simple, il faut prendre le petit support, voilà, en bas. On tire vers le haut, si ça veut bien venir. Allez, vas-y, on y est presque. Voilà. Et du coup, on a au fond de la boîte, tout simplement la pochette avec toutes les notices et autocollants. Bon, on s'en fout un peu. Une petite mousse et la souris sera disposée comme ceci. Donc une petite présentation qui est vraiment sympathique. Un beau packaging. Il y a juste à l'enlever et ensuite à enlever autocollant, étiquette ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on arrive ensuite sur la souris. On est donc sur une souris pour droitier. En bidex, donc ça, ça peut être dommage, surtout pour les gauchers, bien entendu. On est sur une souris en plastique avec du noir mat. C'est pas une souris non plus ultra légère, hein. elle fait pas partie des souris euh, trouées qui sont ultra ultra légères, mais pèse pas non plus une brique. On retrouve un petit liseré orange juste en dessous. Sur les côtés, on aura quelques petites perforations. Voilà pour essayer d'agripper un peu mieux les côtés de la souris. Deux boutons sur le côté gauche et et le logo Fnatic rétro-éclairé. Ici, on aura le logo Fnatic en blanc. Sur le côté droit, on aura le petit clutch et rien d'autre. Le clic gauche, le clic droite, la molette qui est légèrement rétro -éclairée. Un petit bouton ici. En dessous, on retrouve deux larges patins en téflon. Et le capteur juste ici. On aura un câble assez long. Il fait combien d'ailleurs C'est bon, j'ai trouvé. Il fait 1,8 mètre de long. Par contre, il est gainé et non tressé. Ça, c'est dommage. J'aurais préféré faire un câble tressé. Ça a permis d'avoir un fil un petit peu plus léger et d'être sûr d'avoir un peu moins de gêne lorsqu'on vient glisser la souris et moins sentir le fil. Mais vous verrez que j'ai mis un support de souris Fnatic qui permet d'éliminer cette sensation. De fil. Pour le capteur, on est sur un Pixart. Oui, je prends les notes de la boîte. Pixart 3360. Il peut monter jusqu'à 12 000 DPI et il a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Euh, 1000 Hz, pardon. Ah, elle fait 50 grammes la souris. Donc voilà, c'est pas non plus un poids lourd. Elle a 8 mégas de mémoire pour enregistrer trois profils différents. On aura aussi trois petites LED ici pour vous montrer à quel niveau de DPI vous êtes. Il est possible de programmer trois niveaux de DPI et en appuyant sur ce bouton, on peut changer ce niveau de DPI. Au niveau de la prise en main, alors on peut le prendre soit à pleine main, soit en palm grip, soit en claw grip. Pour des petites mains, en tout cas, les trois sont possibles. Moi, j'ai une main relativement petite et du coup, je peux la prendre à pleine main. Les doigts dépasseront peut-être un tout petit peu, mais ça va, ça pourrait être pire. Moi, je la prends généralement en palm grip, mais le claw grip, donc sans prendre, sans poser la paume, juste en le tenant un bout de doigt. Est tout à fait possible aussi. Les boutons sont facilement atteignables avec le pouce ainsi que la molette. Pour le bouton juste au-dessus, il faudra possiblement faire une petite gymnastique pour pouvoir venir appuyer dessus. Donc voilà, pas forcément facilement atteignable, mais ce n'est pas un bouton qu'on va souvent venir utiliser, sauf évidemment si vous. Programmer une autre touche là-dessus. Au niveau de la molette, le crantage est assez fort. J'aurais bien voulu un crantage un petit peu plus souple pour qu'il soit un peu plus agréable, mais voilà, je m'y suis fait au final. Par contre, petit point négatif, c'est qu'après euh, un peu plus d'un mois d'utilisation, parfois lorsque je reviens rapidement avec la molette, il fait un petit bruit bizarre et il y a une comme une accroche. Je vais essayer de vous euh, montrer ça, enfin de vous faire entendre ça plutôt. Alors évidemment lorsque je tourne la vidéo je n'arrive pas à reproduire le bruit. Euh... <laughs> Top, euh, merci à la souris. Sur le tapis de souris, la euh, souris glisse très très bien, aucun problème là-dessus. Il euh, n'y a pas eu d'accroche une seule fois donc voilà j'ai rien à dire de spécifique, ça glisse très bien. Alors rapidement je vous montre le euh, support de souris. C'est un support qui est assez lourd, on a quatre patins antidérapants avec petit Fnatic ici le logo Fnatic là et donc on vient pincer le câble juste ici donc là il est bloqué et on a un câble avec ressort enfin un câble on a un support avec ressort donc c'est extrêmement souple et on peut venir ajuster la taille comme on le souhaite moi je l'ai mis à fond vers le haut et du coup ça permet tout simplement eh bien de faire comme si on avait un câble qui flottait et faire comme si on avait une souris sans fil. Et le câble, effectivement, je le sens beaucoup moins. On n'a aucune chance de le bloquer quoi que ce soit. Et même si je viens tirer voilà, jusqu'en jusqu bas de, du support, et eh bien voilà, j'ai aucune gêne. Je peux faire ce que je veux avec la souris. Et c'est vraiment très agréable. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est tout simplement de passer sur le logiciel, voir ce qu'il est possible de personnaliser sur cette souris. Nous voici donc sur le PC. On va directement aller sur le logiciel Fnatic Hop. Et aller sur la clutch de customize. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, on peut sélectionner les différents profils. Comme vous pouvez voir, on peut avoir trois profils différents. Et on aura accès à trois onglets. L'onglet Performance. On pourra régler le nombre de DPI sur les deux axes. Donc on peut régler un dpi précis sur l'axe X, qui est cet axe-là. Donc on peut mettre par exemple 500. Tac. Et on peut du coup régler. Un des pays différents sur l'axe Y. Par exemple, je veux du 500 et 1000. Ce qui fait que lorsque je vais de gauche à droite, ça bouge beaucoup moins vite que si je vais de haut en bas. Donc, ça pour ceux qui veulent avoir quelque chose de très précis, c'est vraiment pas mal. Alors, on a angle snap. J'ai regardé sur internet, ça veut dire euh, décrochage d'angle. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense c'est pour euh, régler le décrochage lorsqu'on arrive au bord de tapis de souris. Franchement, je ne sais pas trop. Et euh, j'ai essayé, j'ai pas vu de grande différence. Bon. Euh, lift of distance, c'est en fait à quelle hauteur la souris va décrocher lorsqu'on lève la souris pour la déplacer. Donc, on a medium ou height. Voilà, on a que deux choix différents. Et enfin, on peut régler la fréquence de. de Rafraîchissement mais je vous conseille de laisser 1000 Hz qui est le plus performant. Et enfin en cliquant sur Edit Windows Setting, on va pouvoir régler ici tout simplement euh, si on veut inverser le bouton principal secondaire. Si jamais on est gaucher et qu'on veut absolument le bouton principal à droite, la vitesse du double clic et activer le verrouillage du clic. On peut régler euh, aussi le pointeur, l'option de pointeur, etc. Donc voilà, c'est pas mal qu'on ait une petite option pour avoir directement les paramètres Windows pour la souris. On a les réglages de. Enfin, de, du rétroéclairage par défaut en fait on a un rétroéclairage différent suivant le profil donc on peut voir la souris par exemple j'ai les trois qui sont allumés donc je suis sur la troisième option de dpi hop j'arrive sur la première où là nous avons le color editor où tout simplement nous avons une couleur et une seule on peut choisir du coup entre fad et pulse fad étant tout simplement, euh, soit une couleur random, soit euh, la couleur arc-en-ciel. Donc en fait, ça, ça passe d'une couleur à une autre en suivant l'arc-en-ciel. Ou un gradient. Donc voilà, on choisit trois couleurs différentes et ça va défiler en fait sur ces trois couleurs différentes donc je vais laisser euh, tout simplement le color pulse donc on a le pulse donc c'est le clignotement euh, l'appareil ran rainbow randomize color et on revient à la base donc fad qui tout simplement on laisse tout le temps allumé ce qui est dommage c'est que pour le fad et le pulse et eh bien on n'a pas l'animation ici alors qu'on l'a pour le color euh, editor alors pourquoi je ne sais pas mais ça peut être corrigé une mise à jour logicielle et enfin on a le cahier on donc on peut venir paramétrer tous les boutons les deux clics le clic molette le clic qui est au dessus du enfin le bouton qui est au dessus de la molette et les deux boutons accès via le pouce qu'est ce qu'on peut faire tout simplement on peut faire tout ce qu'il y avait sur le clavier mettre une macro remapper le bouton on peut lancer une application lorsqu'on clique dessus lancer un fichier ou lancer un lien voilà, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la vidéo sur mon clavier, euh, enfin du moins sur le clavier, le strict 65 que j'ai fait, où euh, voilà je détaille un peu plus les options. Là, je ne vais pas y revenir. C'est comme le clavier. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. On a pas mal de choix possibles. Ça, c'est plutôt cool. Une fois, dès qu'on a fini les changements, on fait Save Change et c'est fini. Ça reste quelque chose de très simple. Euh, un peu plus intuitif que sur le clavier, je trouve, sauf pour la partie euh, key bending, surtout pour les macros. Ou ça pourrait être un peu plus intuitif. Après voilà, on n'est pas sur, encore une fois, sur un, un niveau tel que les logiciels Corsair, Logitech, Razer, SteelSeries, qui ont... Un peu plus de personnalisation, mais voilà, il y a le minimum requis et ça fait le taf. Alors cette souris, qu'est-ce que j'en pense Il faut savoir que je l'ai eu pour 60 euros sur Amazon et pour ce prix-là, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. La souris est très facile à prendre en main, surtout avec ses formes courbées qui fait que bah, elle tombe bien dans la main et ça, c'est vraiment agréable. Elle glisse très bien sur le tapis de souris Fnatic, donc aucun souci là-dessus, et ce sera le cas sur n'importe quel tapis de souris. Les clics sont très bons. Il y a juste vraiment ce petit. Euh, ce petit. Ce petit. Oh, J'ai perdu le nom. Ah, c'est dimanche, dimanche, ça va pas. Hein. Je suis trop ramolli. Hein. La molette, voilà, qui est peut-être un petit peu trop crantée à mon goût. Mais bon, euh, perso, je m'y suis fait. Les deux boutons avec le pouce sont facilement atteignables. Elle fait pas trop de bruit. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, comme je le dis à chaque fois en termes de design, bah c'est les goûts et les couleurs, soit elle vous plaît, soit elle vous plaît pas, si vous voulez plus de RGB, bah dirigez-vous vers une autre souris qui a plus de RGB, si euh, vous en voulez moins, bah dirigez-vous vers une souris qui n'a pas du tout de RGB, ou alors vous éteignez le RGB. C'est une souris qui conviendra à tous ceux qui font bien entendu du FPS, des RPG qui demandent pas trop de touches ou du MOBA, même des jeux stratégiques également. Mais si vous commencez à jouer à des jeux, par exemple je pense à des MMO RPG où il y a beaucoup beaucoup de, de pouvoir, il faut beaucoup de touches ou euh, s'il vous faut des macros et que vous voulez mettre ces macros directement sur la souris et que vous avez... 3, 4, 5, 6 macros, et eh bien il y a des souris qui vous correspondront mieux, euh, qui ont beaucoup plus de touches sur la tranche. En tout cas, c'est une souris que je vous recommande largement, euh, parce qu'elle est, elle est, elle est top. Et pour le support souris, eh bien je pense que vous pouvez trouver aussi bien à moins cher, voilà, je l'ai pris parce que c'était Fnatic, je me suis dit, allez, <laughs> prenons tout Fnatic. C'est débile comme raisonnement, mais voilà, je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Mais en tout cas, euh, c'est euh, clairement quelque chose que je recommande, parce que mine de rien, ça permet bah d'éviter que le fil soit tiré parce que le fil descend derrière votre bureau et qu'il se retrouve bloqué et ça permet tout simplement de faire comme si on n'avait plus de fil. C'est vraiment très agréable là-dessus. Je m'attendais pas à un tel avis positif là-dessus et du coup, je ne me vois plus me passer de support de souris. Après, le truc c'est que je n'ai que ce support de souris, voilà que j'ai testé, je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à d'autres supports de souris, ça se trouve les autres sont peut-être moins chers, mais peut-être moins bien. Donc euh, voilà, il faudra que j'en je, teste d'autres à voir. Allez, ah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Sur ce, je vous laisse, euh, je vais aller pisser par la fenêtre parce que là j'ai une grosse envie, sa mère.